Et alors maintenant, c'est Lionel Marty, chargé de recherche au CNRS, et Ariane Thomas, directrice du département des Antiquités orientales, qui vont nous présenter leur communication. Bonjour. Merci à tous d'être présents et donc à deux voix en représentant, j'espère, donc et du Collège de France et du Louvre, nous allons vous parler de quelques figures, puisqu'en fait on en citera quelques autres, mais on en oubliera forcément vu le temps imparti. Donc quelques figures qui, en un demi-siècle, ont permis de redécouvrir d'abord l'assyrien, puis le sumérien, toutes deux langues notées en cunéiforme. Et vous le savez donc sans suspense pour que vous suiviez aussi notre présentation, l'une étant rattachée à la famille sémitique, ce qui n'est pas le cas du sumérien, après bien des débats, on le sait désormais. Donc on va simplement revenir sur trois figures majeures. D'abord celle de Paul-Émile Botta. Paul-Émile Botta, qui est le plus âgé des trois, vous le voyez, et qui quelque part est une gloire de la syriologie, qui s'est peut-être, on le verra, rêvé en un champollion de l'assyrien, mais qui, on le verra aussi, arrive peut-être un peu trop tôt par rapport à cette question du déchiffrement, mais qui reste le glorieux inventeur de Khor Sabad et par là de l'archéologie assyrienne. C'est également, évidemment, je le rappelle très brièvement, une gloire pour le Louvre, puisque c'est grâce à lui que vous pouvez admirer un certain nombre des vestiges assyriens présentés dans les collections. De même que, j'expliquerai entre les deux, François Turon-Engin, qui est un agent qui a travaillé au Louvre pendant des décennies et qui est peut-être moins connu du grand public, mais une gloire de notre domaine, en particulier donc considéré comme le père de la sumérologie moderne et donc précisément pas le déchiffreur. C'est pour ça qu'on a mis des guillemets. C'est toujours plus compliqué peut-être que l'égyptologie et nous n'avons pas de Champollion proprement dit, on le verra, c'est davantage une œuvre collective, rapide, un demi-siècle, mais c'est la raison pour laquelle on a choisi de mettre entre ces deux figures, et sans oublier les autres, la figure éminente de Jules Oppert, qui fait une transition évidente, vous allez le voir, entre les deux, d'abord par la génération, mais aussi parce qu'il est celui qui, pour la France, déchiffrera l'assyrien, cette forme récente et septentrionale de l'acadien, et qui sera également l'inventeur du sumérien, puisqu'on lui doit ce nom, même si le déchiffrement sera plus achevé un peu après lui. Donc, nous allons nous concentrer sur ces trois figures et quelques-uns de ceux qu'ils ont croisés, en commençant par Paul-Émile Botta, ce consul de France nommé à Mossoul au tout début des années 1840, et qui, par sa curiosité, son expérience d'arabisant, curiosité qu'il a, entre parenthèses, vous le savez, certains d'entre vous, démontré déjà à l'époque par ses voyages de Hawaï au Yémen, mais également bien conseillé par un certain nombre de savants, et en particulier de la société asiatique, va donc être celui qui a l'audace au départ, le courage aussi d'y mettre ses subsides et son énergie, de fouiller des sites, et non plus donc simplement prospecter et ramasser ce qui se trouve en surface. D'abord à Ninive, mais surtout à Khor Sabad, ce site dont vous voyez un tout petit peu après les travaux de Botta dans les années 1850, l'état avec le village, donc un site qui était somme toute assez inconnu, qui n'avait été que très peu visité ici par Ainsworth au préalable, et qui lui a valu donc la gloire dont j'ai parlé à l'instant, et comme il le dit lui-même, donc cette première révélation d'un nouveau monde d'antiquité, des vestiges assyrien direct et en nombre, donc une quantité d'objets dont certains particulièrement monumentaux et qui vont être particulièrement remarqués,
par exemple les taureaux monumentaux de Corsava, dont vous avez ici un exemple trouvé bien plus tardivement, qui vont être les premiers accès directs à ces Assyriens que l'on connaissait sinon par des documents, des sources indirectes et puis des documents somme toute plus simples, notamment les briques. Et évidemment, sur ces monuments trouvés en nombre et en contexte par Paul-Émile Botta, il y a des inscriptions. On vous a mis ici l'inscription de ce taureau, et Botta, qui est évidemment dans ce monde savant soucieux de faire connaître ses travaux, outre le fait que ça peut lui rapporter, ce qui sera le cas, un certain soutien du gouvernement qu'il n'a pas du tout au départ, le fait donc connaître, et peut-être ce rêve aussi en une forme de Champollion. En tout cas, on voit qu'il attache le plus grand prix à la collecte des inscriptions, outre l'importance des monuments en eux-mêmes. Et donc, évidemment, c'est ce qu'il relate dès le départ dans les lettres qu'il envoie à Jules Maule, et qui seront en particulier donc publiés dans le Journal Asiatique avant de faire l'objet d'un recueil dont vous voyez la couverture à l'écran. Donc plus de 60 lettres qu'il envoie, dans lesquelles il transmet, outre ses descriptions méthodiques, des dessins, des relevés bien sûr, pas seulement des reliefs, mais aussi, comme vous le voyez, ici c'est la première qu'il envoie, les copies des inscriptions, inscriptions donc qu'il ne comprend pas, hein, il copie le plus méticuleusement possible ces inscriptions encore indéchiffrées. Et c'est également important de le relever. En revanche, il arrête à un moment. Et donc, on sait que dès 1843, donc somme toute assez vite, Botta interrompt l'envoi, estimant qu'il a déjà transmis sans doute suffisamment pour les différents savants, pour les différents potentiels soutiens, et qu'il doit garder du matériel. Donc il le dit lui-même, hein, il m'en reste entre les mains quelques autres, mais Maule nous explique que Botta se les réserve, estimant qu'une quantité suffisante de matériaux a été déjà publiée pour servir aux essais de déchiffrement que les savants pourraient faire. Botta les garde pour ses propres travaux et dans l'esprit, dans l'idée de la publication qu'il a en tête et qu'il mènera. Cette somme appelée Monument de Ninive que vous connaissez et qui, en revanche, Botta est ce tout premier, ce pionnier, un pionnier qui va faire face aussi à des choix et à des aléas. Peut-être une double explication de la raison pour laquelle Monument de Ninive ne sera publié qu'en 1849-1850 par l'imprimerie nationale et non plus royale. C'est que si Paul-Émile Botta a commencé ses travaux sous la monarchie de Juillet, il les termine à la toute fin de ce gouvernement. Vous savez que le musée assyrien est ouvert en 1847 pour la fête du roi, et on a des archives qui montrent que c'était déjà un espoir de faire penser un peu à autre chose. Et l'année suivante, vous le savez, c'en est fini de ce gouvernement. Et c'est en partie une des explications pour laquelle Botta, qui pourtant dès 1847 indique qu'il a presque achevé son travail, attendra un peu davantage pour le publier, et le publier par ailleurs dans une version, ça c'est le choix stratégique qui a été fait du côté français, une publication à grands frais, très luxueuse, des in-folios qui font toujours notre admiration, mais des in-folios qui, si leur qualité est évidente, ont un coût qui sera celui à peu près la moitié de la subvention versée par le gouvernement pour l'ensemble de la mission de Khorsabad, ce qui n'est évidemment pas du tout le choix des Anglais, qui travaillent très vite en parallèle et qui, de fait, vont sans doute davantage diffuser leurs travaux plus vite et davantage. Et c'est d'ailleurs ce que la société asiatique déplore dès 1850, en estimant que ce choix a valu un nombre plus restreint dans la diffusion. Alors, ceci dit, évidemment, avant cela, Botta travaille, je vous l'ai dit, en espérant déchiffrer, à la question de cette écriture cunéiforme et à ce qu'on peut essayer d'en comprendre. Alors, ouvrons tout d'abord une petite parenthèse. Pour éviter un suspense trop intense et pour faciliter la compréhension de la progression de la recherche, voici en quelques mots le fonctionnement du système. Il a été créé par les Sumériens pour noter leur langue. Il a ensuite été, au cours du temps, adopté et adapté par plusieurs populations, notamment de Mésopotamie, pour noter une langue sémitique. Chaque signe peut avoir une ou plusieurs valeurs idiomes grammatiques,
héritage du sumérien, et phonétique, c'est le principe de la polyphonie. Par ailleurs, plusieurs signes peuvent avoir la même valeur phonétique, c'est le principe de l'homophonie. Ici, par exemple, le signe du pied peut signifier aller, se tenir debout, être stable, etc. Il a pour valeur phonétique principale, d'où, mais toutes celles qui vont avec. Et voici aussi la liste de tous les signes cunéiformes ayant une valeur phonétique, d'où. Le système est, comme vous le voyez, relativement complexe, ce qui explique les tâtonnements dans les tentatives de déchiffrement. En revanche, il faut noter que finalement, cela s'est fait très rapidement à partir de 1847. Revenons donc maintenant à Botta. À partir des textes de Khorsabad, il va d'une part produire un mémoire sur l'écriture cunéiforme qu'il publiera dans le Journal asiatique entre 1847 et 1848, et d'autre part, il consacrera la deuxième moitié du volume 5 du Monument de Ninive, publié en 1850, à cette question. Dès le début de son mémoire, il avoue que la clé de compréhension de ces textes sera l'inscription de Bistoun, que l'on a vu tout à l'heure, qui est en cours de publication par Rawlinson, comme il l'indique. Pour ces sortes de recherches, nous manquons ici de la base la plus étendue et plus solide, l'inscription de Bisoutoun, et je crois que M. Rawlinson, seul, à l'aide des noms propres si nombreux que contient cette inscription, parviendra à résoudre ce problème. Nous voyons ici, en quelque sorte, exprimer une sorte de frustration, peut-être, qu'il est d'autant plus que c'est autour de cette même année que sera publiée par Rawlinson l'inscription. Son travail est principalement centré sur l'écriture elle-même. Il confirmera le sens de lecture proposé, de gauche à droite, et il remarquera que certains signes paraissent interchangeables. Cela aboutira plus tard à la théorie de l'homophonie des signes cunéiformes. Ainsi, il propose un classement des signes organisé par nombre de clous les composant et ajoute dans les tableaux des variantes de signes qui peuvent, comme vous le voyez ici, s'y substituer. Comme il pressentait la nature syllabique des signes cunéiformes sans pour autant exclure l'existence de lettres, les signes de substitution avaient bien pour dénominateur commun généralement la consonne, mais souvent pas la voyelle. Donc en voici un exemple, son signe numéro 17 et les signes associés. Il a pu déduire par les inscriptions perses que le signe 17 avait une valeur N, que les quatre autres signes avaient la même valeur, et maintenant nous savons qu'il s'agit des valeurs nous, ni, na et nim. Bien que Botta ait repéré que certains signes pouvaient désigner un mot, il les interprète comme des sigles, c'est-à-dire des sortes d'abréviations, et cela entraîne quelquefois quelques erreurs d'interprétation. Il avait par exemple très bien compris, pour son signe 10, qu'il avait la signification de roi. Si le premier signe associé est bien une autre façon de désigner le roi, le deuxième a une valeur phonétique « ma » et donc n'a rien à faire ici. Et le troisième, avec sa valeur « ri char 2 », est lié à une faute de copie de Botta. Si ses travaux sur l'écriture montrent qu'il n'était pas loin d'en comprendre le fonctionnement, lorsqu'il conclut « il n'y a pas de comparaison à... » Il me le montre, c'est pas grave, si c'est ça. Non. Voilà. « Il n'y a pas de comparaison possible à faire entre l'écriture de Ninive et l'écriture chinoise. La dernière représente des mots. La première n'a pu représenter que des sons, soit des lettres, soit des syllabes. En revanche, la question de la langue est moins avancée, comme l'illustre ce commentaire dans son mémoire. J'avoue qu'il m'est encore impossible de la rattacher avec certitude à l'une des deux familles, arienne ou sémitique, et dans ces monuments de Ninive, plus j'y ai réfléchi, plus j'ai trouvé le problème difficile à résoudre. » Ces travaux ne furent pas pour autant inutiles. Botta a toujours eu à cœur de transmettre et partager ses découvertes et d'aider les futurs déchiffreurs, comme l'illustre parfaitement le titre du dernier chapitre de son ouvrage que vous voyez ici, « Détails propres à faciliter le déchiffrement des inscriptions ». Par ailleurs, son objectif répété est celui de fournir aux savants des matières leur permettant d'aller plus loin. Une citation, « Enfin, je me suis attaché à rassembler tous les faits, tous les éléments qui peuvent aider les savants dans leurs recherches, etc. » Ou encore, « J'expose ensuite toutes les observations que j'ai pu faire et qui m'ont paru propres à aider les savants dans leurs essais de déchiffrement. » Ces travaux, tant ces recherches sur le déchiffrement que le fait d'avoir publié les copies des textes de Khorsabad, ont notamment été salués par
Hopper, Monsieur Botta, à qui l'épigraphie assyrienne doit tant, ou plutôt tout, soumit les inscriptions qu'il avait découvertes à un rigoureux examen. Et effectivement, on voulait vous rappeler que Botta a livré une masse de documents. Bien sûr, les monuments, on en a parlé, qui ont été rapportés à Paris et exposés pour la première fois au monde, donc dès 1847, mais aussi, et peut-être moins connu, mais bien connu en revanche des assyriologues, moins connu du grand public, les moulages, les relevés, les copies et les estampages. On vous en a mis quelques exemples à l'écran qui sont conservés au musée du Louvre et qui ont effectivement été déterminants dans l'aboutissement des savants pour déchiffrer l'acadien, et derrière lesquels il faut qu'on rappelle donc les efforts sur plusieurs années de Botta, qui s'est chargé de cette tâche presque entièrement, et qui rappelle ici qu'il avait commencé avant même l'arrivée de Flandin l'aide qui lui a été envoyée par le gouvernement français pour faire les dessins des monuments, mais qu'il a ensuite poursuivi longtemps après lui, après son départ, pendant encore plusieurs mois, avant de pouvoir en fait rentrer en France pour très vite, dans les aléas politiques que j'ai décrits, être envoyé ensuite en Libye. Précisément, ces estampages et ces différents documents fournis par Botta ont donc servi, on va le voir tout de suite, au déchiffrement rapide, puisque quelques 10 ans à peine après, on considère l'assyrien déchiffré, et en particulier par Jules Hopper, dont on va parler en instant. Jules Hopper, qui sera le héros français du déchiffrement de l'assyrien, celui, je l'ai dit, de la détection et du début du problème sumérien, on va en parler dans un instant également, mais ceci étant également lié à la masse de documents fournis par Botta, et certes aussi par les Anglais, puisque dans ces textes assyriens vont très vite être détectés, comme Lionel vient de le rappeler, des signes dont la valeur dans ces signes archaïques laisse penser que les Assyriens ont emprunté une écriture à un autre peuple ou pas, grand débat dont on parle. Donc Jules Hopper fera partie de ceux qui officialiseront la naissance de l'assyriologie. Je vous rappelle la fameuse séance du 25 mai 1857 qui permit de déclarer l'assyrien déchiffré. Sa publication majeure concernant le déchiffrement est son expédition scientifique en Mésopotamie, volume 2, publiée en 1859, car elle comporte toute la méthodologie de déchiffrement, de véritables éditions de textes, et les conceptions qu'avait Hopper sur le cunéiforme, servant à noter l'assyrien. En guise d'ouverture au déchiffrement, Hopper indique que les noms propres présents dans les inscriptions trilingues perses sont la clé du déchiffrement du cunéiforme. Je vous l'indique ici. Et en gros, il nous explique que grâce à l'inscription de Bisoutoun, nous avons atteint une masse critique suffisante pour aboutir au déchiffrement. À partir de là, il était tout à fait possible de déduire les valeurs des signes qui n'étaient pas encore connus. Alors, je vous en montre un exemple. Si un jour vous voulez faire du cunéiforme, voyez, c'est facile. Il manque ici ce signe qui est indiqué là. C'est très facile. On sait, grâce aux inscriptions perses et aussi grâce aux listes de Botta qui comportent la consonne L, comme il est régulièrement suivi par des signes qui commencent par un I, ce signe a donc une valeur LI, CQFD. Tout ce travail de déchiffrement va amener à des considérations qui vont au-delà de la simple traduction. Le constat de Rawlinson, qui était celui de la polyphonie, c'est-à-dire qu'un même signe cunéiforme pouvait avoir différentes valeurs phonétiques, en voici une liste, interpellait car il paraissait finalement opposé à la logique même d'une écriture. Il fallait pourtant expliquer ce constat qui fut confirmé par des découvertes de la bibliothèque d'Assurbanipal qui livra des syllabaires antique, comportant différentes prononciations d'un même signe. Par ailleurs, il y fut aussi découvert des tablettes comportant des listes de signes donnant des concordances avec des versions archaïques et de l'époque, montrant l'évolution potentielle entre le dessin et le signe. Hopper proposa, dans l'Athénéum français du 21 octobre 1854, un article intitulé « Quelques remarques sur les différentes espèces d'écriture cunéiforme », article qu'il considère lui-même comme fondateur de sa pensée, puisqu'il le cite à plusieurs reprises dans ses travaux, et dans lequel il propose une explication du phénomène. Il postule un système cunéiforme originel composé de monogrammes et de signes syllabiques, créé par une population qui a ensuite été utilisée par d'autres qui l'adapteront en fonction de leurs besoins.
Les populations suivantes donnaient alors au monogramme des valeurs syllabiques correspondant à la façon de désigner l'image dans leur langue. Ainsi, par exemple, le signe pour la maison avait une valeur pit, bit en assyrien, puisque la maison avait comme traduction bitoum. Ainsi, de fil en aiguille, ou plutôt de fil en clou, les monogrammes se chargeaient d'un grand nombre de valeurs phonétiques. Restait alors à déterminer les inventeurs de ce système. Pour Hopper, la langue ne pouvait pas être sémitique, et il considérait justement, on en a parlé précédemment, que vous voyez donc le nom des inventeurs, puis divers noms donnés à cette langue. Rawlinson n'était pas en reste, et Inks proposa le premier de nommer cette langue l'Acadien. Proposition qui se fondait sur un raisonnement exact, mais dont la conclusion était fausse. En effet, il avait remarqué que les souverains antiques se désignaient comme rois de Sumer et d'Akkad. Il proposa donc que l'un des deux termes désigne le peuple inventeur du cunéiforme. Il avait une chance sur deux, il choisit malheureusement la mauvaise. Hopper proposa dès 1868 de dénommer ce langage sumérien en partant de la même constatation, mais en développant de nouveaux arguments. Par exemple, comme ce titre remontait à des périodes reculées, les rois qui le créèrent devaient donc être de cette culture et donc devaient avoir placé leur contrée en premier. Par ailleurs, puisque la langue des inventeurs de cette écriture n'était pas sémitique, il fallait choisir dans l'inscription le terme pour le désigner qui n'apparaissait pas dans la Bible. Il fallait donc appeler cette langue le sumérien. Cette proposition fut loin de faire l'unanimité, même parmi les élèves d'Hopper, comme l'illustre l'ouvrage de Lenormand, Études acadiennes, qu'il faudrait plutôt comprendre à l'heure actuelle comme études sumériennes, et dans lequel il s'oppose à la théorie d'Hopper. La majorité des spécialistes de l'époque s'accordaient pour dire que l'assyrien était une langue sémitique qui utilisait un système d'écriture utilisé à l'origine pour noter une langue non sémitique. Or, à partir de 1875, Joseph Halévy développa une théorie totalement opposée, cherchant à démontrer que, en gros, le sumérien n'était en fait qu'une façon idéogrammatique de noter de l'acadien. Hopper répliqua très vite avec sa plume inimitable dans un de ses articles. Je ne résiste pas au plaisir de le citer, tous les arguments de M. Halévy tombent aussi facilement que ceux auxquels je viens de répondre. Je ne suis pas l'un des inventeurs, mais l'inventeur du sumérien. Malgré cela, la querelle dura plus de 30 ans et les théories de Halévy ne laissèrent pas insensibles certains assyriologues, même celui que l'on peut considérer comme le père du sumérien moderne, François Thureau d'Angin. Alors effectivement, peut-être juste une parenthèse pour faire la transition, si on a souhaité aussi parler de ça, c'est parce que on essaye de vous démontrer que bon, ces déchiffrements ont été œuvres collectives, progressives, même si rapides, et non indépendantes des contextes dans lesquels ils évoluaient. Pour le coup, je rappelle que dans les tentatives d'Halévy, il y a sans doute derrière aussi la crainte d'un certain spectre antisémite. Derrière l'idée que cette invention si sophistiquée, la première langue écrite au monde, ne saurait être sémite. Alors effectivement, il apparaît que c'est le cas. Mais bon, c'était une parenthèse. Ceci dit, ce débat, sinon cette très vive controverse hein, sur la question sumérienne, va connaître un tournant avec l'arrivée de vestiges, de témoins, cette fois de nouveau directs, des époques sumériennes, donc du troisième millénaire avant notre ère, qui pour le coup concernent directement le Louvre, puisque ce sont les fouilles d'Ernest de Sarzec qui les premières vont révéler avec le matériel de Tello, donc dès les années 1870, du matériel sumérien qui va arriver au Louvre au tout début des années 1880, suscitant la création du département des Antiquités orientales et exposé donc dans les salles que vous voyez à côté des Assyriens, donc dans cette idée tout à fait débattue à l'époque, et également donc dans la salle à l'étage, salle Sarzec que vous voyez au début, en haut. Dans ce Louvre, donc,
qui a accès assez tôt hein, pour les savants qui y travaillent dès les, aux tout premiers témoins sumériens, il semble y avoir eu une certaine émulation, et c'est ce sur quoi on voudrait revenir, donc sous la direction de Léon Euzet à l'époque, et dans les mêmes bureaux en quelque sorte, travaillait un certain Eugène Ledrin, Arthur Amiot, décédé prématurément, et un très jeune Thureau d'Angin, si on fait les générations. Alors, Eugène Ledrin, alors âgé de 51 ans, va publier en 1898 ce dictionnaire de la langue de l'ancienne Chaldée, qui a parfois été un peu oublié, dans lequel il nous explique que c'est un travail qu'il a commencé il y a environ une douzaine d'années, donc on peut considérer qu'il l'a commencé en 86, donc 5 ans après les premiers accès à ces documents, et donc très certainement après un probable premier travail de dépouillement. Et Ledrin donc dresse ici un répertoire de signes pas kinexa qui laisse penser qu'il était à peu près impossible que Eugène Ledrin, donc 51 ans à l'époque, et le tout nouveau arrivé au département de 23 ans, François Thureau d'Angin, ne se soit, quand bien même on sait que les relations de travail ne sont pas toujours paisibles, surtout peut-être dans le domaine de la sériologie, mais ne se soit pas connu, ils se sont côtoyés, c'est certain. Donc François Thureau d'Angin, lui, beaucoup plus jeune, qui a suivi les cours d'assyriologie de Monsieur Aupert, dont on vient de parler, entre autres évidemment aussi de Menon, donc vient juste d'entrer au Louvre à cette époque, a suivi Léon Euzet dans des missions et notamment pour voir le reste du matériel, celui qui n'était pas au Louvre mais qui était envoyé au musée de Constantinople dans le cadre du partage. Et donc publie exactement la même année un ouvrage qui s'appelle « Recherche sur l'origine de l'écriture cunéiforme », qui va être une première étape dans la reconnaissance de ce grand personnage de la sériologie, hein, dont tout le monde s'accordera à dire qu'il était un excellent philologue, très bon linguiste, sans doute très gros travailleur étant donné la masse de publications qu'il a livrées et qui lui vaut, vous le voyez, dans l'éloge funèbre qui lui sera fait par Gaston Maspero, de rappeler la sûreté de lecture et le sens presque divinatoire du signe gravé, même quand il était presque invisible, qui devait faire de lui le plus remarquable des épigraphistes. Mais bon, à ce moment-là, il n'a donc qu'une vingtaine d'années et il livre une somme parallèle au dictionnaire de l'ancienne Chaldée que je viens de vous montrer avec Ledrin, qui est en quelque sorte très très parallèle. C'est un répertoire de 600 signes avec leur évolution et tous deux vont quelque part citer les mêmes sources, à savoir d'abord celui qu'on oublie peut-être trop vite, Arthur Amiot. Arthur Amiot qui est décédé 9 ans plus tôt, donc comme je l'ai dit, prématurément, mais qui, comme il le rappelle, a livré un tableau en 1887 qui n'a pas été sans les aider. Alors évidemment, et c'est cette image, il cite, tout comme Ledrin également, les sources que l'on a évoquées il y a un instant, à savoir les sources assyriennes et babyloniennes, qui ont été les premières, qui ont laissé penser à l'existence d'une langue que l'on appelle donc de plus en plus le sumérien à la suite de leur professeur Jules Aupert. Et il cite donc les syllabaires de Menon, de Lenormand, de Delitzsch qui ont permis de détecter ces signes. Et de manière assez amusante, il souligne que les Assyriens semblent avoir, comme nous-mêmes, senti le besoin de répertoires de ce genre. Rapport à cette écriture archaïque. Et puis donc dans les sources, il cite en premier lieu, bien sûr, les découvertes de Sarzec à Tello, mais je pense que c'est clair pour tout le monde, évidemment, que cet accès très privilégié à ces documents a forcément facilité cette émulation au sein du Louvre. Mais il cite donc Arthur Amiot, ce tableau comparé des écritures babyloniennes et assyriennes archaïques et modernes de 1887, ouvrage capital, je le cite, hein, le seul où l'écriture archaïque ait encore été l'objet d'une étude méthodique, et puis également donc Jens Zimmern, Reisner et quelques autres que je signale parce qu'il faut aussi le rappeler dans le contexte, notamment des remarques d'un certain Hilprecht qui est dans l'équipe, donc celui qui fouille à Nippur, autre ville sumérienne capitale, et donc autre site, second site à livrer à l'époque des sources directes sumériennes, tout de suite après celle de Tello, donc à partir de 1888.
Et tout ceci, donc cet ouvrage, ses travaux, à partir de ses sources, vont lui permettre d'abord de faire carrière, d'être nommé attaché, non plus en fait bénévole, en 1902, tout en restant bien sûr au Louvre, et puis de publier l'ouvrage capital que beaucoup d'entre vous connaissent évidemment très très bien, à savoir en 1905, Les inscriptions de Sumer et d'Akkad, ouvrage qui, sans en faire le déchiffreur, le Champollion du Sumérien, marque cependant une étape tout à fait fondamentale dans le déchiffrement du sumérien, et c'est ce qui fait de lui donc ce père de la sumérologie moderne, comme on l'a intitulé, avec un ouvrage qui a été aussi parfois qualifié de synthèse lumineuse, qui réédite tout ce qui avait été publié et qui surtout publie les nombreux inédits de Tello, et pas seulement, mais évidemment surtout de Tello, en proposant des traductions suivies, contextualisées, même si certains feront remarquer que la grammaire est parfois un peu fausse, mais qui en tout cas, par cet ouvrage des inscriptions des rois de Sumer et d'Akkad, outre qu'elle marque ce début de la sumérologie moderne, clôture la controverse sumérienne en démontrant qu'on a raison de parler des Sumériens. Alors évidemment, d'autres suivront dont on n'a pas le temps de parler, et notamment ceux qu'on vient de citer, de Leach, mais aussi Peuble, qui livreront des grammaires peut-être plus suivies encore. Mais nous souhaitions terminer en bouclant la boucle, en rappelant que François Thureau d'Engin, outre ses travaux, donc son travail capital sur le sumérien, a également été, en digne élève de Hopper, un excellent traducteur de l'assyrien, qui a retravaillé lui aussi sur les estampages de Botta, les copies et les estampages de Botta, en rappelant ici, c'est lui-même qui parle, ce sont pour une part notable des inscriptions, les copies de Botta sont sa seule source, et donc en retravaillant là-dessus, avec, on l'a mis d'une part, ce grand travailleur a lancé la série des textes cunéiformes du Louvre. Et ici, dans le tome 3, revient sur la 8e campagne de Sargon, qui, vous le savez, est une campagne capitale pour l'histoire de Khorsabad. Et donc, ensuite, en 1927, cet article dans la revue d'assyriologie et d'archéologie orientale, dans laquelle il revient sur les annales de la salle 2 du palais de Khorsabad. Et ce sera véritablement notre dernier mot, mais qui en principe résume ce que l'on a souhaité dire sur l'importance d'un travail collectif jamais complètement achevé, en particulier ici sur l'assyrien et le sumérien, très liés, comme vous l'avez compris. Alors très rapidement, juste une citation qui est d'une actualité folle, c'est une lettre de Lomperrier qui nous dit « Je dis le discours des savants car l'expérience nous prouve que dans cette sorte d'entreprise, la perfection ne s'obtient pas d'un coup. Quand il s'agit d'un sujet aussi neuf, toutes les tentatives sont donc louables pourvu qu'elles soient dirigées avec bonne foi. Lorsque le résultat est juste, il se fait aisément accepter par les esprits droits. Il ne doit pas regarder à la quantité. Si par chance on commet quelques erreurs, il ne s'en faut point désespérer, car elles occasionnent presque toujours une certaine réaction qui profite à la vérité. Dans tous les cas, on doit plaindre sincèrement ceux qui relèveraient avec dureté, car le temps fait justice de la malveillance. Nous vous remercions de votre attention.